Salut à tous, c'est Audrey, bienvenue dans ce nouveau vlog Osaka. Et aujourd'hui, on va aller visiter le musée Tezuka. Tezuka, je pense que tout le monde doit connaître. Si je vous dis Astro Boy, Astro Turbo, vous devez connaître. Donc, on va aller voir ce musée. On n'avait pas pu le faire l'année dernière, on n'avait pas eu le temps. Donc, on est trop contents. Et là, on vient d'arriver, il y a la map juste derrière moi. Et on est dans un paysage montagneux. Donc voilà, ça va être super sympa. C'est parti pour cette journée. Tezuka, il est ici. Allez, on y va. Ok, c'est bon. Là, je crois qu'on est vraiment sur le bon chemin. Regardez-moi ça. Oh, c'est trop magnifique. Et hop, encore un autre ici. En fait, c'est carrément carrelé dans la rue. Lady Oscar, j'hallucine. La rose de Versailles. Waouh! Ah ouais, ils ont chacun leur propre rose en fait. Chaque personnage a sa couleur. C'est extra. C'est un peu de tout, même les petites tons, les petits chaussons. Carrément une fresque géante là. Wow.
Du coup, il y a un... Oh, c'est joli, la fresque. On vient d'arriver au moment où c'était l'heure du petit dessin animé. Il y a un petit film. C'est une petite salle de cinéma. Même l'ascenseur, il est décoré. Joli, hein? C'est un miroir. Même un café, mais il ferme 17h, je sais même pas quelle heure il est. Il est 17h. Tout est décoré, quoi. C'est fou. C'est très joli. Je vais aller voir la boutique souvenir obligée. Il y a même un petit coin lecture. Empreinte au sol, carrément à l'extérieur, c'est super joli. Il est chouette celui-ci. Ça ferme à 17h, hein, c'est ça? Ouais, on a un peu speedé, mais on a eu le temps de tout voir. Et là, il y a le phénix juste à l'accueil. C'est vraiment chouette. Ah oui, la jolie horloge. J'avais pas filmé tout à l'heure. Ok, je crois qu'Alexandre, il a plus la passe. T'as trop faim, il a plus la passe. Trop faim. T'as pris quoi, Alexandre? Un donut classique avec du chocolat. Ouais. On voit qu'il y a du chocolat. Moi, j'ai pris un thé glacé. Et toi, tu as pris quoi? On ne sait pas. Chocolat. Une goutte, on verra bien. Goutte, tu me dis à quoi c'est? C'est quoi qu'il y a dedans, Flore? Chocolat. Non, c'est tout choco. Hein. Et au-dessus, je sais pas. Oh, il est beau celui-ci. Ultraman. Oh là là, il est chouette. Ouais. Très chouette. C'est un magazine ou c'est un livre? C'est un. C'est un livre. C'est pas très cher. Non, c'est pas très cher. 1500 yens. Il est pas très cher. Oh, je trouve ça génial. Oh, j'adore les yokai. Oh, attends, montre-moi, tu peux feuilleter s'il te plaît. Ouais. Ah, il s'ouvre à l'européenne. Ah, souvent. Oh. Oh, joli.
j'adore ce dessin-là. Ah. C'est un truc de fou. En fait, le dragon que vous voyez à droite, il a mis 6 mois à le sculpter. Non, il a mis 6 heures, c'est ça ? Et on peut le garder 6 mois, pardon. Je m'emmène les pinceaux. Et là, il est en train d'en faire un devant nous, quoi. C'est un artiste. Hein. C'est un truc de fou, quand même. No, eyes are candy too. So you can eat all. Les yeux, ce sont des bonbons, on peut les manger aussi, du coup, il disait. Il les colle avec le sucre, c'est ultra. Waouh! Oh là là! C'est génial! After a few minutes, finish. Ok, du coup on lui a demandé un Pikachu, il est en train de le faire devant nous, on va lui acheter. Pikachu. Oh là là. Thank you. Bon, on termine notre folle journée chez Monsieur Patate. Une petite adresse qu'on vous laissera un lien sous la vidéo. On est crevés. Je sais pas, il doit être au moins genre 20h, un truc comme ça. Et puis bah, après, on va rentrer à la maison et on passera acheter des petites choses à manger. Et voilà, on continue. Alors, de retour de chez Life, Maxime s'est pris un petit tonkatsu. C'est du porc pané, il y a du riz avec et un petit peu de salade. Ensuite, moi, je me suis pris du poulet pané. J'en avais déjà pris. Il est juste, mais super bon. Donc, voilà. J'en ai repris. J'ai pris aussi, pour aller avec le poulet. Alors, ça, c'est du... Je vais juste ouvrir la barquette. Donc, dedans, c'est du tofu frit. Il y a un peu de haricots. Je crois que c'est des aubergines. Il doit y avoir des navets. Carottes. Et ça, je me souviens plus ce que c'est. Je n'arrive pas à me souvenir. Mais c'est trop bon. On retrouve ça dans les potages, justement. Et c'est super bon. Et puis là, je pense que ça sera plus pour demain. Je vais voir parce que ça va peut-être faire un peu trop. Pommes de terre, carottes et je pense que c'est du porc qui est servi avec. Ensuite, les garçons ont pris des petits... je sais même pas ce que c'est, des sashimi, je crois. Avec 30% de réduction. Donc là, bah, c'est crevettes. Et ça, c'est du thon rouge. Avec autre chose peut-être, je ne sais pas. Alors, ce soir, il y a un petit peu de tout. Alexandre a pris... Alors, c'est des nikuman. Au Japon, on dit nikuman. C'est les brioches chinoises. Je ne sais plus comment c'est en... Comment on dit en chinois, je ne me souviens plus. Mais bref, au Japon, ils disent nikuman. Donc, en fait, c'est des brioches vapeur. Et dedans, il y a de la viande. Et c'est super bon. Donc, elles sont toutes petites. Bon, on va se les partager. Ensuite, on a pris des petits desserts. Alors, il y a deux sortes de glaces. On va goûter. C'est Papico et c'est de chez Goulico. Et je ne sais pas du tout à quoi c'est. Est-ce que c'est coca, café Et là, c'est pêche, par contre. En japonais, pêche, c'est momo. C'est facile à retenir. Moi, je vous aurais appris un mot. J'en connais pas beaucoup. Mais celui-ci, je le connais. Et un petit dessert comme ça, les fameux flans, les petits flans japonais, crème caramel. Et celui-ci, c'est le Big de chez Goulico. Et il est juste, mais trop bon. En tout cas,
Il est très tard, il est 22h, on est vraiment très fatigué. J'espère vraiment sincèrement que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à le liker, à le partager un maximum. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un vlog au Japon et de nouvelles recettes. Salut tout le monde !